Allez, Dunkerque. Ok, l'occasion. Vas-y, vas-y. Ah ouais, non. Avec les supporters, voilà. Au moins, derrière toi. Il y a un truc bleu et blanc. Je croyais que c'est le maillot. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu sais, je vais commencer comme ça, je vais être sérieux maintenant. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction donc l'USL Dunkerque pour le match entre Dunkerque et le SCO d'Angers. Le SCO d'Angers, voilà. À la découverte d'un stade qu'on ne connaît absolument pas, avec, on ne le présente plus, Adrien. Salut la team, tout le monde va bien? Ça va? Il était déjà occupé dans une... Il partait dans une analyse exceptionnelle. Et bon, on est aussi aujourd'hui accompagné de notre ami Bernard Sanders. Bonjour tout le monde. Et le curé. Ça va curé? Ouais, toi. Ouais, vous plutôt. Et vous? Ouais, ça va? Et bah, nous vous voyez maintenant. On en a pour 170 km, 1h40 de route. Bon, on est parti, on va pas prendre plus de temps, sinon on va vraiment rater le début du match. Allez, on prend la route et on se retrouve une fois qu'on est arrivé à Dunkerque. Hein. Bon, nous voilà arrivés. Hein. On est donc arrivé à Dunkerque après 1h45 de route. Nous voilà arrivés à destination. Belle petite ville, Dunkerque. Maintenant, on va visiter le stade. Il est 5h25, le match est à 19h, donc on a encore 1h30. 1h30 à tuer. Bon, comme d'habitude. Hey, il y a un mec qui a mis Dunkerque, j'aime bien l'analyse d'Adri. Ouais, c'est drôle. Hein. Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est drôle, c'est cool. Cette vidéo sera vraiment une vidéo découverte, hein, parce que ni moi, ni Adri, ni le curé, ni Bernard ne connaissons l'USL Dunkerque. Et encore moins en jeu. L'analyse d'Adri va suivre, évidemment. Il se prépare à l'analyse d'Adri. Donc l'analyse d'Adri, ensuite on va essayer de voir s'il y a un fan shop. Peut-être acheter un petit fagnon pour Bernard si on en trouve un. Une petite écharpe, mais là-bas il y a des petits drapeaux là, on va peut-être aller voir. Donc voilà, et après on va découvrir le stadium hein. On va voir ce que ça donne. Voilà ce que nous propose l'USL Dunkerque sur la devanture de son stadium. Curé, s'il te plaît. En gros, c'est le parcours du club depuis sa naissance. Hein. Ouais, en gros, c'est ça. Hein. C'est original comme truc quand même. C'est bien. C'est pas mal. Non, c'est bien. Non, c'est franchement, c'est pas mal comme truc. 1935. Professionnel en 1935. L'Olympique de Dunkerque. Tac. Bon, très beau stade. Hein. On tourne en rond. Hein. On tourne autour du stade. Je pense que c'est un stade petit, mais relativement... qui paraît grand de l'extérieur avec une grande architecture, mais petit en termes de place, parce qu'il n'y a que 5000 places dans ce stade, deux tribunes latérales. Je pense que le parquage, le bloc visiteur est un bloc qui se trouve derrière le goal, non couvert, je pense. Et sinon, deux tribunes latérales. Voilà, pour accueillir les supporters de Dunkerque. Et simplement, on va voir. Mais je pense, qu'est-ce qu'on a vu sur les différentes photos et vidéos? Alors, si on dit des conneries ou s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à rectifier dans les commentaires. Ouais, parce que là, on est un peu. Là, on n'est pas du tout dans nos bases. La Ligue 2, déjà la Ligue 1, c'est compliqué, mais alors la Ligue 2, c'est vraiment une découverte, mais complète. Hein. Mais bon, on le fait parce que voilà, on aime bien. Hein. C'est le fun. Il y avait Courtrai standard, mais on va voir Dunkerque-Angers. Voilà. Stade inauguré en 28 août 2022. Donc, toi qui disais que c'était récent, ben voilà. 28 août 2022, le stade. Bon, donc nous voilà devant le stade. Le petit stade, Marcel. Derrière la tête d'Adri. Marcel Tribute. Voilà, on est devant le stadium. On va tout doucement passer la fouille et on va rentrer dans ce stadium pour vous faire découvrir ça en même temps que nous parce que du coup, on le connaît pas du tout. Adri, qu'est-ce que t'en penses? Ben franchement, petit stade, mais tout nouveau stade qui a été inauguré le 22 août 2022, si 22, je me souviens. 22, il a pas un an quoi. Il a pas un an. Mais ça se voit, hein, ça se voit, c'est un beau stade, ça un se voit. Un petit stade, vraiment un petit stade, mais c'est super, super moderne en fait. C'est un petit stade moderne. Bon, il nous donne un petit livret à l'entrée. Le calendrier du mois de septembre, du mois d'octobre. Ah oui, c'est le calendrier. Okay. QR code à scanner, les infos sur le club par rapport à certains joueurs. Mais ça c'est bien toi. Ouais. Les c'est coachs. Sympa. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est sympa. Elles sont du chaud aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les prix sont très corrects. Hein. Très très démocratique. 1,50 le coca. T'as payé combien le sandwich? 4 euros le sandwich. Bon, franchement, les prix, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ce petit parquage visiteur là en face. Il est très plaisant. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il est très très plaisant. Après, c'est pas accueillir beaucoup de monde, je pense. Hein. Tout au plus 300 supporters. Peut-être. C'est petit, mais nous, on aurait bien aimé être là-dedans. On aurait kiffé être là-dedans. Allez, ça, on aurait adoré, toi. Bernard a des infos pour la boutique. Il y a une boutique permanente qui se trouve Jean Barthes. Apparemment, c'est à 500-600 mètres d'ici.
Et alors, normalement, il y en a une dans le stade, mais actuellement, comme il vient d'être inauguré, ils ne savent pas encore où ils vont l'installer. Voilà. Donc, il n'y a pas de boutique. Pour l'instant, dans le stade, non. Elle est en confection, on va dire. Mais il y a un magasin en ville. Ouais. Bon bah. Du coup, on va repartir bredouille, comme on dit chez nous, sans écharpe et sans fagnon. Tant pis. Au moins, on aura mangé un sandwich, quoi. Ça change des frites, une fois. Ouais, ça change des frites, ouais. Bon, voilà, on a installé les places. Ouais, ça va. Mais qu'est-ce qu'on doit dire au niveau des sièges, on est bien mis. C'est correct. Il y a de la place pour les jambes. J'ai pas tapé ma jambe dans le mec de devant, donc ça va. On est bien. Magnifique. Vraiment belle pelouse. Belle pelouse. Et on est bien mis. J'ai pris des places en espérant être en face du cop de Dunkerque pour voir ce que ça donne. Je crois qu'il est juste en face de nous. On a droit à la présentation du nouveau maillot sur l'écran là. Mais je sais pas si on va bien voir en vidéo. On voit rien, on voit rien. J'ai filmé l'écran mais on voit rien. Mais le maillot est beau, le maillot est beau. Voici la composition de l'équipe. Bon, on va essayer de faire l'analyse d'Adri. Mais il y a le chauffeur de salle. Il y a le chauffeur de salle qui parle en même temps. Donc si on n'entend pas bien, je m'excuse d'avance. Hein. Donc voilà. Bon, Adri essaye de parler bien en face de la caméra. Alors tout d'abord, très content d'être là. Très très content d'être là dans ce beau petit stade de 5000 places. Le stade... Marcel Tribute, si je me trompe. Marcel Tribute, c'est ça. Un stade qui a été totalement rénové ici il y a plus ou moins un an. C'est inauguré le 22 août 2022. Un très beau petit stade aux couleurs de l'USL Dunkerque. Des pelouses magnifiques. Espérons voir un beau match. Alors, du côté des deux équipes, l'USL Dunkerque va jouer dans ses couleurs traditionnelles bleu et blanche. Pas de joueur connu, si ce n'est un joueur qui me dit quelque chose grâce à des jeux vidéo. Armand Gnandry, attaquant d'1m91, passé par la division inférieure en Angleterre et Heart of Middleton en Écosse. Et du côté Mousquetaires d'Angers, bah, évidemment plusieurs joueurs qui me parlent parce que y a, comment dire, c'est un club qui vient de Ligue 1. Et donc voilà, le Mousquetaires d'Angers qui normalement, je pense, veut jouer, veut remonter. Donc ils ont intérêt à faire des résultats. Et voilà, en espérant voir un bon match du côté de l'USL Dunkerque. Et voilà, que le meilleur gagne tout simplement. Merci beaucoup mon cher Adrien, on est bien là. Ouais, à noter que du côté de Angers, le capitaine Pierrick Capel joue là depuis 8 saisons facilement. C'est un des derniers tauliers du SCO d'Angers qui était promu dans les années 2015-2016 je pense. Donc voilà, Pierrick Capel, 36 ans. Ouais. Bon allez, le match va commencer, on est à 5 minutes du début du match, le stade est bien rempli. On a bien fait de réserver. Mes amis, bon match. Ouais. Bon match. Bernie, bon match. Bon match, hein. Bon match, hein. On espère voir un bon match. La première grosse occasion là pour Dunkerque. C'est bien, c'est bien. Vas-y. A mentionner que les supporters sur votre droite, on va le mettre de Dunkerque, supporter équipe, on est au balcon de leur maison. Franchement, je crois que c'est la meilleure place. Ouais. Ça va, t'es bien? Ouais, ça va. Ça va, on est au soleil, on est posé, on est bien. C'est un beau petit stade. Bernard est bien, regarde, Bernard est bien, tout le monde est bien. C'est un beau petit stade. Par contre, je trouve par exemple que le côté visiteur, il devrait mettre, il devrait agrandir un peu. Imaginons, ils vont en Coupe de France et ils tombent sur Marseille, on va dire, ils ne pourront jamais accueillir tous les Marseillais là. Comment ça se passe? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Curé, je sais pas très bien. Vas-y. Ah ouais, non. Allez Dunkerque. Si on prend Georges avec, et si on prend Georges avec. Bon, les 27e minute, toujours 0-0 entre Dunkerque et Angers. Ya, vas-y. Oh, ok, l'occasion. Voilà, non, une des plus grosses occasions. Landry, l'attaquant de la cool. Ah ouais, mais justement, Landry en parlait en début de vidéo. J'aime bien les joueurs. Ah, incroyable. Non, pour l'instant, ça vient. C'est bien. Hein. Très bien. Voilà. Mi-temps, c'est bien celle d'Inker, première demi-heure. Bon,
C'est calme. Les arroseurs automatiques, c'est génial. Ayez ça dans votre jardin. Bon, bah, peut-être que maintenant, je vais pouvoir filmer des plans d'action de jeu, parce qu'il y avait le soleil en pleine face. Et là, le soleil est occupé de se coucher. Voilà. Le seul truc dommage, c'est que maintenant, Dunkerque va attaquer à 100 mètres de nous, donc... On verra plus rien. On verra plus rien. Et comme on n'a rien vu en première mi-temps, ben voilà, on verra rien. On n'aura rien vu. Donc voilà. Super vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Non mais voilà, de toute façon, il se passe pas grand chose dans le jeu. Hein. C'est assez compliqué. C'est un bon match de Ligue 2. C'est un bon match de Ligue 2. C'est un bon match de Ligue 2, tu regardes à la télé tranquille, ça finit 0-0. Voilà. Voilà. Donc la deuxième mi-temps a recommencé. Let's go. Toujours 0-0. C'est une tribune calme. Nordiel est là-bas en face. Tiens, là on peut voir le nouveau maillot. À défaut de pas l'avoir vu en début de match. Sympa, hein? Brilliant, c'est but. Ça chauffe un peu pour Dunkerque. Je me pose une question, André. Il y a la VAR en Ligue 2? Non, il n'y a pas la VAR en Ligue 2. Oh, elle est belle. Oh, il est con, le contrôle est mauvais. J'espère que le dernier quart d'heure c'est quand même plus attrayant que ce qu'on a vu, hein, parce que... Oh. Ah non. Bon, ça s'aligne un petit peu, hein. Il reste un quart d'heure, à 18 minutes. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt. Le gardien a noté que le gardien de Dunkerque a sorti quelques balles. Du match. Ouais, il est pas mal, là, il est bien. Le gardien Arnaud de Dunkerque, Arnaud Baligeau, 40 ans. 40 ans. 40 ans. Nous sommes les Dunkerquois et nous allons gagner. Allez, Dunkerque. Génial, Bernie, il est génial. Ouais, génial, Bernard, il est excellent. Il chante partout, lui. Allez. Et récupère, vas-y. Allez. Écarte à droite. Ouais. Oui. Ouais. Je vois pas, ils ont pas le plus. Ils ont des occasions à un moment de nouveau. J'ai pas de vite, ça veut pas rentrer. Corner. Vas-y. Oh. Le fait. Là, le gardien fort aussi. Il arrête tout. Là, le gardien d'Angers est fort. Là, le gardien d'Angers est fort. Oh, il y a des pénaltys. Oh là là. Ouais, pénalty pour Angers. Pénalty pour Angers à la 92e. Quoi. Il va rater. Dunkerque part en contre et fait 1-0. Comme Dunkerque. Et là, tu montes sur la barre, mon vieux. C'est but pour Angers à la 92e. Bah, ça va être fini. Bon voilà, défaite de Dunkerque au final 0-1. C'est dommage. Que dire, Bernard, sur ce petit match avec la défaite d'Angers, de Dunkerque. Défaite de Dunkerque. Je pense que Dunkerque ne doit pas trop se tracasser. J'ai déjà vu plusieurs matchs de Ligue 2. Pour moi, ils ont les moyens de se maintenir. Maintenant, s'ils veulent faire plus que jouer le maintien, il est grand temps qu'ils trouvent un attaquant, parce que ce que j'ai vu devant est en dessous de tout, mais vraiment en dessous de tout. Et puis le même problème en France qu'en Belgique, et beaucoup de fédérations, il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour l'arbitrage, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont inventé. Il n'y a pas faute strictement en rien, mais rien de rien. Il y a simplement un joueur plus intelligent que l'autre qui se laisse tomber. D'ailleurs, on entend l'arbitre se fait huer par les supporters qui restent. Je sais pas. Ben pour Bernard, il n'y a pas faute. Pour moi non plus. Pour Adrien, il y a faute. Voilà, je sais pas. Ouais, une petite faute, peut-être. Mais pas, un peu le tromper. Peut-être qu'il y avait faute, mais pour moi, il a un petit peu exagéré quand même. Il a un petit peu exagéré la faute. Mais bon, voilà. Beau stade. Franchement, beau stade. Bon, le match est fini, on est bien. Ah, franchement, on est bien. On fait un petit plan du stade et après on y va. Un beau stade, j'aime bien. J'adore. L'architecture est vraiment spéciale. C'est spécial. C'est pas parce qu'on a un petit stade qui peut pas être moderne et super beau. Propreté dans les toilettes, franchement top. Couleur des sièges magnifique. Après, il est tout neuf aussi. Mais c'est vraiment un top stade. Franchement, le gazon est. Après, c'est le début de saison aussi, je l'avoue. C'est pas grave.
Bon, bah pour les supporters dunkerquois, il n'y a pas pénalty. Donc. Ah, vous êtes d'Angers ? Absolument pas. On est de Belgique. Belgique ? Ouais, Belgique, quoi. Avec les supporters, voilà. Au moins, il y a un truc de positif. Bleu et blanc. Bah, je croyais que c'était le maillot. Curé, attends, bah là on est devant le stade, on va faire la conclusion ici, non ? On va conclure. Hein. Conclure, oui, oui, de toute façon, il n'y a plus grand chose à dire, donc on a vécu un match assez. Assez calme. Ça sera une vidéo très, très découverte, très calme, très chill, très. Voilà, il se sera pas passé. Ça sera totalement différent des deux gros matchs qu'on a fait le week-end dernier. Ouais, ça n'a rien à voir. Et le gros match cette semaine en Coupe d'Europe, ça sera totalement différent. Ça sera comme Fabien l'a dit, une vidéo. Ce sera une vidéo découverte. Ce sera une vidéo découverte. Voilà, on va essayer. Bon, la vidéo n'est pas finie, on va encore essayer de filmer 2-3 trucs intéressants. Une mention spéciale pour les supporters de Dunkerque. Ouais. Franchement. Sympa, hein? Ouais, sympa. Bonne ambiance. Ils sont sympas. Bonne ambiance. Est-ce que tu t'es amusé, mon vieux? Amusé, l'ambiance, ça allait, mais le match, c'était assez. C'était calme, pas dans tout le match, mais le pénalty, je trouve que pour moi, en tout cas, il n'y a pas de pénalty. Bon, on va faire la conclusion ici, à côté du magnifique logo. Là. Bon, Adri, défaite de l'USLD à domicile pour ce match contre Angers dans le cadre de la 4e journée de championnat, si je ne me trompe pas. Un match assez calme avec peu d'occasions. Enfin, peu d'occasions, non. C'est pas ça, c'est pas tout à fait juste. Un match assez calme, on va dire, au niveau de l'ambiance dans le stade. Très bonne ambiance, mais quelque chose de calme. Après, c'était un petit stade magnifique, comme je l'ai déjà dit. Au niveau du jeu proposé, c'était pas un grand match de football, mais bon, au milieu de deuxième mi-temps, l'équipe de Dunkerque a eu des occasions, plusieurs occasions franches avec un très bon gardien. Très bon gardien des deux côtés. Pour moi, ça aurait pu faire 1-0 comme 0-1. Il y a pas de. C'est ça. Bon, voilà, on conclut la vidéo devant ce magnifique stadium. J'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas, comme d'habitude, le like, l'abonnement, le commentaire. D'activer la cloche, mon ami le curé. Bien partager aussi. Et de bien partager cette vidéo. Tout à fait. Et on l'attend puisqu'il est là. Comme dirait notre ami Adrien ici à côté de moi. See you the next week. Thank you for all. On se voit plus tard. Ciao. Mais non, c'est bon, c'est fini. Il n'y aura plus 4 matchs en 7 jours. On reprend un match par semaine tranquillement. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve très rapidement. Ciao les gars, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.